Pas d'LD Light. Pas de 5 nat light. Cracker. Pourquoi mes viewers ont toujours des comptes flingués? Non. T'as pas que ça, gros. Oh. Oh la gêne. Oh la gêne. Oh c'est. Oh Van Cleef. Attends, mais c'est mon compte ou quoi? Merde! Comment ça, Van Cleef? Je vais m'énerver. Qu'est-ce que c'est que ce compte flingué? Oh! Oh lo 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 lo. Oh Itsu, mais va te faire foutre, c'est mon compte! C'est mon compte! Ben oui, c'est mon compte! Ah ouais! Oh, il est chaud le streamer! Ok, bon. Why not? Déjà un peu plus intéressant au niveau des LD. Désolé, gars, ça ira dans un pit stop, ça. Oh merde. Exposed. Presque 2 ans après avoir drop Tian Long, j'ai drop Alexandra. J'ai vu ta vidéo pour Def Arena, mais tu penses qu'elle est jouable en RTR? Ouais. Ouais, elle est jouable en RTR. Minutes qui prépare son FRR et qui crache sur sa propre box. Ah, c'est ça. Ah, tu vois, au moins. C'était très très sincère quand j'ai dit que le compte était flingué. Quand j'ai vu les 3 LD, j'en mode bon, ça commence à faire beaucoup là. Ok, bon comme d'hab, hein. Moi j'aime bien faire comme ça, je trouve qu'on y voit beaucoup plus clair. Évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez, mais je trouve qu'on y voit quand même un peu plus clair comme ça. Ok. On est où là? Oublions. Alors. Hop. Ah merde. Bon, ça c'est pour trier la box. Parce qu'on met le petit en HP pour Laika le moins possible, ouais. Il a dit il a tous les mobs du jeu. Ah bah je pensais que c'était un compte conquérant ou fighter moi à la base. C'est pour ça que j'ai dit ça.
Qu'est-ce que je dis exactement? Non, mais putain, mais comment j'ai pas capté avant? Et pour le coup, ça m'arrive vraiment souvent de faire des FRR pour des. Pour le coup, ça m'arrive vraiment souvent de faire des FRR sur des comptes qui ont craqué et qui ont des LD en commun avec moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas tiqué tout de suite. Genre, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de FRR où les mecs ils ont des LD en commun. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, s'il a les mêmes LD que moi, peut-être qu'il peut plus facilement reruner et les faire marcher, tu vois. Moi, j'y arrive pas. Merci pour le sub, Endless. Merci beaucoup. Non, tu vas chercher des runes que toi, tu as. Putain. Ouais. Ok, alors. On va mettre en gras les mobs importants. D'accord? Sur son compte. C'est quoi ton niveau en. Ton niveau en RTA, Alexander? Ok. Pourquoi j'ai mis deux fois Véromo, je suis con. Actuellement, c'est deux. Ok. Ok, mon buff. Alors. Moi, quand je vois un compte comme ça, je me dis que la vie est belle. Moi, je vois clairement une draft à base de Riley Nana Belzé, hein, c'est trop fort. Hein. Karnal Riley Nana Belzé. Je pense que c'est très 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 intéressant sur un compte comme ça. Avec du first pick Nana ou du first pick Riley, carrément. Donc Riley va prendre ton meilleur set. Support, ça c'est clair. Mais ouais, du coup, ça va être du gameplay probablement du Riley Nana toutes les games, c'est trop fort. Ça en plus en ladder, c'est assez facile à jouer, t'as de la chance parce que pour le coup, il n'y aura pas énormément de transition nécessaire, je pense. C'est un gameplay qui est assez facile à jouer. Il y aura quelques choix in-game à faire, tu vois, normal. Mais c'est cool. Ator, ça dégage. Gany, ça dégage. Oliver, c'est même pas nécessaire que tu. On va voir. C'est pas une priorité. Par contre, y a pas de Sagar du coup sur le compte. Ok. C'est évidemment Sagar aurait été plus intéressant dans ce gameplay que Shampoing, mais on va faire avec, c'est pas grave. Tu.
Quoique. Quoique. Est-ce qu'on te fait un gameplay à la. À la Coury? Va être marrant ça. Petit gameplay courri là. Non, Shear sert à rien, c'est plutôt Sekhprout par rapport à Shear dans ce genre de gameplay. Pourquoi? Parce qu'en gros, le. En fait, tu vas jouer très buzzer, donc tu vas probablement te faire. Bah, tu vas souvent être dans une position où tu vas te faire cliff CC, donc c'est plus important d'avoir Sekhprout qui, elle, est un speed contest indépendant à ta team, qu'avoir un Shear qui, même s'il outspeed, ta team est pas speed, tu n'as Shear, donc ça sert à rien. C'est mieux d'avoir une Sekhprout. Ça en plus avec tes Sekhprout tu peux aller reset les Oliver, reset les shampoings, ce qui sont évidemment des gros counters à Belzébuth pardon, donc c'est. Je pense que Sekhprout c'est ça va être ton meilleur Swift. Deuxième meilleur Swift Sonya. Et après un petit robot en Swift Wheel. Tac tac tac. Bélial, la vérité, vu que tu as Belzébuth, je pense pas que tu joueras Bélial. Ça fait beaucoup de mobs haut. Je pense que je préfère largement Camille. Quitte à avoir un mob haut qui est un peu intuable. Camille plus intéressant. Après, ah, on sait pas. Peut-être que tu auras les runes. Mais le problème, c'est que Bélial et Belzébuth, c'est un peu les mêmes runes. Donc, t'auras peut-être pas deux fois le même set. Oups. Truc comme ça. Voilà. Hop. Hop. Là, je pense qu'on a gentiment fait le tour. Après, il va falloir faire le turn order. Merci Arnebro pour le 16e mois de soutien, merci beaucoup. Ça ruine ton compte? Non, non, non. Je joue beaucoup Pudding haut en ce moment que je trouve marrant. Ouais, je sais. Mais tu vas jouer Rayleigh, c'est plus fort. Dans ton archétype. Yo doudou. Alors, en gros, contest hot speed. Truc comme ça. Donc ça, c'est pour les mobs rapides. Faut juste regarder et compter un peu combien de strippers à haut on a. Faudra faire attention à ça. On va probablement encore dégager des mobs hein, après, vous inquiétez pas. Hop, y'a quoi d'autre comme stripper? Hop. Donc probablement
Vanessa avance épée. Hop, pour aller chercher les derniers strips dont on a besoin. CP. Notre dernier stripper. Une fois que CP a joué, ça va être au tour. Tour de la nana. Okay. Il y aura la Riley aussi qu'on va probablement, vu qu'elle va prendre son meilleur set. Probablement mettre là. Donc ça, c'est pour les mobs à peu près rapides. Une fois que la nana a joué, il est temps de casser des culs. Hop, hop. Merde. Avant la Shizuka, bien évidemment, on met Rakuni. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir le buzz speed en AoE. Important. Là, j'ai mis une flèche, mais en vérité, il n'y a pas de flèche. C'est un slash. On s'en fout qui joue en premier entre Karna et Vérade. En gros, les mobs qui sont en gras, les mobs qui sont pas en gras, enfin les mobs qui sont en gras, c'est pour dire qu'il y a une priorité plus importante sur eux par rapport aux mobs qui sont pas en gras. Tu prends combien pour un FRRTA? 200 euros. Transfert sur Vanessa, Tianlong, double Camille pour prochain rush. Je pense que tu devrais remplacer Vanessa par Clara. Clara, bah il te faut un contest au speed, sinon tu vas juste te faire triton la gueule. Tu vas te faire triton la gueule, tu peux potentiellement te faire Shibu Bernard Léa, tu peux te faire taper par plein de trucs si t'as pas contest au speed. Yo Sophie, ça fait quoi d'être niveau 100? C'est une joie indescriptible, c'est une dinguerie. J'aimerais bien faire un Dominique aussi rapide, mais bon, on verra les runes. Sinon, on le fera plus lent. Plus lent, plus efficient, c'est pas grave. Bon, la logique c'est souvent la même, hein. Fengen aussi. Merde. Le pauvre, je les délète. Mais Fengen, si on peut, on le met genre ici. Rapide, ça. En setup breakdef, on peut tout taper des mecs. Soit il sera en vampire, soit il sera en vio. C'est à peu près tout. Ensuite, une fois que tout ce beau monde a joué, c'est Verde qui rentre en scène. Bouma.
Hop, allez, là on va rentrer tous les petits loulous qui sont lents du cul. Véromoche, j'aimerais bien le mettre ici, en termes de speed. Donc tout ce qui est mob très lent. Des mobs d'anti-cleave notamment, très situationnels. Joséphine, je sais pas encore. Ça c'est fait. Donc ça évidemment les anti-Léo, ils jouent en dernier, on s'en fout un peu. Entre ça, on peut faire rentrer les autres loulous. Ah, c'est des persos qui sont un peu plus lents. Tout ce qui est Rika, Suiki, Kinky. Diana aussi, je l'ai pas mis. Diana, elle va dans les mobs très très lents. Hop. Hop. Donc les Kinky, les Belzé, Bélial, si jamais on le rune, il ira là. Molong, si jamais on le rune, il ira là aussi. Mais Molong, c'est pas sûr qu'on le rune non plus. Et Abelio, pareil. Dans la ligue des mecs, pas trop trop rapide. Juste la Joséphine. Alors en termes de stripper AOE, Clara contestera jamais un triton perso chapeau chapeau. Oui mais Triton c'est un mob vent. Triton il va glande sur Clara et ta Clara ensuite va outspeed les mobs qui sont derrière Triton. Alors. Ouais, on a Robot Vent en mob vent, Mour et Gang en haut, en mob feu on a Juno, ça fait 4 pour l'instant, CP 5, ça compte pas, c'est pas safe. Fait, je me demande, est-ce qu'il y a besoin de faire une Pra ou pas? Moi j'aime bien Pra quand même, hein. Je trouve dans ce genre de gameplay, avoir le boss speed, ça te donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Hein. Pour moi, il jouera à la limite plus Prague CP hein, sur du T2 comme ça. Hein. Parce qu'en fait, sur du T2 avec de la nana et tout, tu préfères souvent prendre des robots vent, des trucs comme ça, pour avoir un minimum de contest outspeed et forcer le mec à prendre un leader skill de speed s'il veut outspeed, qu'un CP. Genre. Je pense que CP, il jouera pas. Y a pas une Charlotte? Je crois que je l'ai pas vue. Non, pas de Charlotte, ok. Parce que si on lui enlève CP, ça veut dire que son seul CC vent, c'est robot. Et vu que clairement, Oliver, tu le joueras pas souvent. Y a robot, CP. Et après, c'est de la patate. En CC feu, il y a Karnal. Enfin, ce qui est pas vraiment CC, mais. Il y a Karnal, il y a Rika pour du T2, bien résilient. En haut, il y a Vérade de bien résilient. Ok.
Alors, entre parenthèses, évidemment, la parenthèse, ça veut dire que c'est optionnel. C'est pas les trucs les plus importants à aller chercher. Pourquoi Wusa il est en parenthèse? Parce qu'on a déjà prévu de jouer Riley toutes les games et de godruner Riley. Donc il a déjà une source d'immunité. Pareil pour la Shizuka. Wusa dans ce scénario-là, c'est pas si important que ça. Dominique, on pourrait le mettre en parenthèse dans le sens où c'est pas grave qu'il soit à cette speed-là ou à cette speed-là, tu vois. C'est pas dramatique. Ouais, puis après tout le reste, c'est assez intéressant. Y a pas de Federica non plus. Donc y a pas de Federica. Bah après, à part Federica, t'es quand même pas mal, hein. Parce que y a pas de. Ah, y a pas de Mewang. Y a pas de Mewang. Ah, ok, ça c'est un peu chiant. Y a une Masha, mais. C'est vrai qu'on devrait quand même au moins lui ruiner une Masha s'il n'y a pas de, s'il y a pas de Mewang. Pour qu'il ait quand même un autre petit cessez-feu, mais. En vrai, non. Il jouera juste Kinky, hein. Fuck Masha, Masha c'est de la merde. Masha c'est trop nul, hein. Encore plus dans du gameplay T2. À la limite, dans du gameplay T1, tu peux sortir des Masha, tu vois, quand t'as l'initiative pour sortir un mob, mais dans du gameplay T2, Masha c'est gaze. C'est gaze de fou. Donc on va devoir godruner un Karnal, une Rylai, Shizuka, probablement Kinky Belzé. L'avantage c'est que Raccoonie c'est facile à runer. Ah, il faudra godruner une Camille aussi, hein. Genre Karnal, Camille, Rylai. Ouais, c'est fine, ça c'est pas une prio. Ouais, ok, ça va être tranquille comme FRR.